Ah merci T1. Si là il first pick un vieux perso de fils de pute, ils vont perdre. Merci. Ah, j'étais en apnée. Merci. Ah, je suis pro T1, mais je vous jure que le niveau de Goumaï aussi sur sa Kai'Sa était pas fou. Bon, très bonne draft de C9. En vrai, Orianna, Rakan, je pense que c'est les deux meilleurs picks. Donc en vrai, bien joué. Bonne réponse de C9, je pense que j'aurais fait la même chose. Et ils ont banni Azir. En vrai, je pense que c'est une très bonne draft. Là, j'aime beaucoup la draft des deux côtés. Merci, frère. Ah, j'ai souffert hein, sur G2. Hein. J'ai essayé. Oh oui! Oh oui! Oh oui, merci! On est trop heureux! Oh merci! Putain de. Brûle-lui, c'est grand mort! Il est contre Fudge. Fudge, il pue sa mère. Fudge est vraiment pas fou. Il est ok, hein. Il est fine. Mais mes deux. Brûle-lui, c'est grand mort! Oh merci! Putain, merci. Parce que pour moi, là, c'était Rumble. Qui allait être pick en R3 de la part des Cloud9. En rotation 3, ils allaient prendre tous les jours Rumble. Et Jarvan 4. Fine, parce que Orianna, c'est un perso statique. Et je pense qu'ils se doutent qu'ils vont prendre Orianna vu qu'ils ont ban Azir. Le ban Azir contre Faker, into pick Orianna, je pense que c'est un très. Moi, j'ai peur que Faker soit très OTP Azir Orianna. Il a joué quoi, les gars? Rappelez-moi ce qu'il a joué les autres jours. Il a joué Orianna, il a pas fait une game incroyable. Hein. En vrai, j'enculais Genji pour le troll, mais je trouve qu'il a pas été bon. Hein. Je vais pas mentir, je trouve qu'il a été pas terrible. Même si en vrai, il est en 3-0, on pourrait croire qu'il a carry. Je trouve que Scout est trop fort. Oh, les gars, j'ai appris une nouvelle de fou. Et je savais même pas. Scout, c'est vraiment le dieu. Scout, c'est vraiment le dieu. Là, vous allez être choqués. Apparemment, donc information de la part de la Chine, Zika se fait entraîner en 1v1 par Scout. En gros, Scout maîtrise tellement bien la mid lane qu'il coach son top laner. Il fait des 1v1 contre lui et il joue le top laner en face et il le coach sur sa lane. Et à chaque game, il review les games de Zika pour lui dire ses erreurs. Mais frérot, c'est le meilleur joueur du monde. Non mais, en gros, c'est le coach analyste de Zika et de sa propre lane. In-game, c'est le meilleur. Pour moi, pour l'instant, la meilleure performance de ces mois, pour l'instant, c'est Scout. Et là, j'ai appris ça, mais j'ai encore plus envie de sucer la bite, frère. Je suis maintenant dans le train de Scout. J'avais dit meilleur midliner, mais pour moi, du coup, je vais peut-être changer d'avis. Parce que Ruler, c'est un god. Hein. Ruler, c'est un god. Et pour moi, c'était le meilleur joueur du monde. Mais maintenant que j'ai su ça, et qu'en plus, on va pas se mentir, LNG, c'est moins fort que JDG. Il est en solo carry, frérot. Il doit porter un sac à dos, mais le sac à dos est lourd. Je suis fan de lui, frère. Je suis fan de Scout. Pitié, Scout, gars, vous savez quoi, je pense que je suis même pour Scout. Le fait qu'il coach son top laner. Oh non, nique ta mère. Oh non, Jax blind. Dommage. Jax contre Humble, après, les gars, Deus, il va sûrement le battre. Là, je voulais qu'il prenne Renekton. Il prend Renekton, c'est terminé. Il prend Renekton, les C9 vont se faire bouffer parce que je vous jure qu'au top, Honor a massacré. Je crois qu'il a massacré Kin, le top laner des KT, ou peut-être c'est Kingen. Je sais pas si c'est top de HLE ou top de KT, en tout cas c'est un top d'une top team. On n'est pas sur l'équipe. On n'est pas sur. What? Wouah! Wouah, un bard! Un bard! Oui, gros, c'est Créton! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, pourquoi pas? Ok, let's go! Faker qui pose ses couilles sur la table et on part sur un Sylas. J'aime bien en tout cas la méta qu'on voit se dessiner. La Akali slash Sylas. En réponse à des Maokai, contre Maokai c'est classique parce que je pense que c'est trop, c'est vraiment fort de fou. Maokai il a pas d'AP, du coup Sylas a plus de dégâts encore que lui, que lui-même on va dire sur son ulti, même malgré le Demonic Embrace. Incroyable, un bard, alors là pour le coup j'aurais pas cru. Belle veste. Ah ouais putain, on mange bien là. Hein. Waouh. Bon, la game est très cool, en tout cas j'aime bien relativement les deux drafts. Alors bard, ça me surprend. Et Belves, ça me surprend aussi. Après, qu'est-ce qu'il pouvait prendre? En vrai, il restait quand même des trucs. Hein. Il restait quand même des trucs. Il pouvait prendre une Vi. Vi dans Kai'Sa. Enfin, Vi dans Xayah, c'est pas incroyable. On va se mentir. En plus, il a pas Kai'Sa qu'on a avec lui. Donc, je sais pas si c'est si fort que ça. Quel perso? Rel, non? Rel est ban? Ah, Rel est ban. Ouais, Rel, c'est un bon ban. Parce que là, j'aurais pris Rel. En jungle, côté Cloud9, j'aurais pris Rel. Mais prioriser Zeri à Rel, ça me paraît pas déconnant. Je trouve que Rel Orianna c'est vraiment un combo dévastateur, mais c'est quand même un perso qui est, c'est quand même un combo qui est flashable je pense et zoniable. Donc ok,
Belle veste, ça me paraît risqué. Moi, je suis pas fan de la belle veste. Et le pic de Bard, j'attends de voir. Parce qu'entre un Bard et un Rakan, je pense que c'est beaucoup plus difficile de jouer Bard en pro play qu'un Rakan. On a eu. Le dernier Bard que je me souviens en pro play, c'était Beryl. Il s'est vomi dessus toute la game, mais il a gagné. Bien joué à lui. Belle veste. Ouais, je prononce veste en mode anglais, non? Vous dites quoi, vous? Belvette? Ah, Belvette, vous dites-vous? Bah, je sais pas, pour moi, je dis Belvette, tu vois. Après, il y a des trucs que je prononce en français, tu vois. Oscar Hinin, je dis Yves en français, donc c'est bizarre. C'est pas Illy avec Fnatic? Hein? Illy chez Mad Lion, bon. Illy chez Mad Lion, c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas trop pro Mad Lion. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, je vais pas vous mentir. Hein. J'ai misé NRG à cause de Illy Sang. Parce que je trouve qu'ils ont mal draft. Mais moi, je trouve qu'Illy Sang, il est ok, mais il est pas god tier, tu vois. C'est un bon joueur, c'est un bon européen. Mais je pense que Ignar est beaucoup plus fort que lui. J'ai vu Ignar jouer que sur 4 games et je l'ai trouvé convaincant. Tu le détestes. Non, franchement, je le déteste pas. Vraiment, je vous jure, les gens pensent que je le déteste ou quoi. Mais en vrai, je pense que moi, je dirais même que je l'aime bien. Je trouve qu'il est gentil. Mais je trouve qu'être gentil, ça suffit pas là dans les worlds. Il est avec Niski, donc moi, je veux qu'il joue bien, tu vois. Je trouve que Niski est très fort. Je suis pas le plus grand fan d'Illy Sang. C'est juste ça, tu vois. Je trouve qu'il est gentil, je trouve que c'est une légende. Mais je suis pas fan de... Ok, Guardian par Bard, c'est pas mal en vrai. Hein. Guardian, c'est pas mal, hein. Ça donne un petit shield et tout. On a quoi? On a First Strike, bon rien, classique, Aeri d'un côté. Ok, j'ai pas vu les runes de Belvès, les gars, elles jouent quoi? Quelqu'un a vu les runes de Belvès? Parce qu'il y a ses stacks à la, sur place. Fudge qui joue ça, Météor, ok. Elle joue quoi, Belvès? Conqueror, Lethal Tempo. Ok, j'imagine. J'imagine qu'elle joue probablement Conqueror. Conqueror, ouais. Ok, donc Faker, les gars, mesdames et messieurs. Faker contre Orianna. En tout cas, je suis hypé. Au top, les gars, Zeus, il a vraiment un très bon Rumble. Je pense que Rumble, c'est vraiment un god. Je pense que Rumble, c'est le deuxième meilleur pick top lane après. Moi, je mettrais Jax first, Rumble deuxième, Kassante troisième. Pour l'instant. En perso que je personnellement, je prioriserais. XNT, c'est vraiment fort quand t'as des persos qui n'y a pas de front lane et t'as pas assez de body et tout. Mais je pense que Rumble, c'est dévastateur, particulièrement avec Bard, avec Rakan. Là, je pense que le Rumble aussi pick permet de deny le Rumble en R3. Je pense que s'ils prennent pas Rumble, à mon avis, Fudge, il peut se diriger vers un Rumble. Donc là, je pense que si, c'est un Rumble plutôt en deny. Et Kyria, il a un excellentissime Rakan. Il est vraiment fort sur Rakan. Kyria joue plein de trucs, mais pitié, arrête de nous prendre des trucs de fou. Joue pas des Lux support, des Jhin support. Joue des trucs qui marchent. Là, le Bard, je préfère largement un Bard qu'une Lux, tu vois. Lux, c'est pas ma team. Je trouve Lux, c'est surcoté. Il y a souvent des trucs, des combos Lux, Caitlyn, parce qu'en vrai, en lane, c'est vrai, c'est fort de fou. Hein. Mais, allez, tu vas gratter quoi? 15-20 CS d'avance, si tu kills pas. Ok, Fudge, il fait un bon taf, la Fudge. Hein. Fudge fait un très bon move. Hein. Là, le proxy en sous les deux tours, les gars. Et merci pour tous les subs. Merci Risco, merci Big Willy pour les subs. Le proxy entre les deux tours, en vrai, c'est vraiment une excellente. Oh putain, ma caméra, elle est énorme, en fait, les gars, dites-moi. Hein. J'enlève ma caméra, frère, je prends toute la map. Désolé, les BG. Hop, je vais mettre là. Hop. Tac, c'est bon, les gars. Désolé d'avoir été aussi énorme. Très bon proxy de Fudge, en vrai, il connaît bien son matchup. Fudge, il joue. Fudge, c'est pas compliqué. Il joue Renekton. Pour moi, il joue Renekton, KSNT et Jax. Et sinon, eh bien, il se vomit dessus. Hein. Sur les messages, franchement, il a inté les games. Pas autant hein, que le. C'est qui le top laner? C'était Robo. Bon, pas autant que Robo, parce que Robo, c'est une perf internationale qu'il a fait. Hein. Apparemment, d'ailleurs, les Louds, c'est une team très, très, très populaire au Brésil. Je suis brésilien, je suis dégoûté hein, si je vois ce qu'il fait. Je suis dégoûté. Je ne connaissais pas Kameto, mais j'ai regardé son stream, c'était un plaisir. Je ne connaissais pas Kameto. Hein? Comment tu peux pas connaître Kamel? Car c'était... Oh, ta personne. Hein? Bonne cotisation et bon dimanche. Merci pour le copy pasta. C'est du troll, oui, je m'en doute. Je me doute très fort. Non, et j'ai rencontré des potes IRL à moi qui ne sont pas du tout dans le Twitch game et qui connaissent tous Kamel. Parce que je crois que ça a buzzé avec le truc des Pixel War là. Pixel War, ça a buzzé à l'international hein, le truc. Hein. Il troll, je veux pas y croire, bien sûr. Airplace, ouais, le Airplace, pardon. Cassé en LEC, ouais, c'est incroyable. Alors, le truc qui est un peu chiant, c'est que moi, j'avoue, je suis pas trop LEC, je regarde pas la LEC, je suis pas très hype. Du coup, je vais devoir regarder la LEC pour la casser, quoi. Mais par contre, j'essaie d'être un peu pro cassé, dans le sens où. Bah, après, c'est parce que Kamel, hein.
Si Cassel n'était pas de Camel, je sais pas si je serais autant cassé, mais... Mais ouais, j'aime trop ce qu'il représente Camel. Oh là là. Ok. Oh, il a fait une berry, le frère. Pas incroyable move de la part de... pas incroyable move de Kaya. Il aurait peut-être pu Q-Flash, hein. Là, il a pas Q-Flash, il a Flash Q, je crois, hein. Je crois que c'est un flash Q, peut-être qu'il aurait pu que flash. C'était pas un move de fou de Kaya. Hein. Après, le roaming était bien. Pour reprendre bah, de la vision, etc. L'ulti qui est pas mal. Le dive, c'est dur. Hein. Il a encore son affaire. Oh, ça joue bien. Oh, oh là 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 là. Ça joue vraiment bien. Prise d'aggro. Passage en zone de chaleur. On lui brûle ses grands morts. Il lui a pissé dans la bouche. Peut-être que Fudge aurait pu flasher, etc. Après Fudge, voilà. Pour moi, c'est pas le meilleur top lane dans la compétition. Loin de là, pour moi, c'est clairement pas meilleur. En plus, c'est intéressant parce qu'il a un jungle physique en face et un laner magique. Du coup, il prend de l'ARM, ce qui n'est pas un mauvais choix. Mais du coup, contre Jarvan 4, s'il se fait camper, il peut clairement mourir, le frère. Ok, nice. J'ai beaucoup aimé. La belle veste, pour moi, elle a pas autant Elioia avec... Franchement, Elioia, grand mention spéciale à Elioia qui a vraiment été incroyable contre Sheo. D'ailleurs, Sheo s'est fait deux fois bully dans ses worlds par des belles vestes. Il s'est fait bully aussi par River, je crois. Donc je crois que c'est lui. Ok, c'est pas mal. En vrai, ça gratte le flash. MNS, c'est quand même quelqu'un. MNS, c'est pas le... Pour moi, les Cloud9, ils ont deux joueurs moyens. C'est Sven, je trouve qu'il est moyen. Et Fudge, je trouve qu'il est moyen. Ils ont le meilleur joueur Ena, je pense, c'est Berserker. Je pense que c'est de loin le meilleur joueur Ena. Alors oui, c'est un import, mais en Ena, il y a 40 imports. Donc c'est le god de sa team. Je trouve que Blaber, pour un non-import, il est vraiment fort. Hier, c'est génial, elle était internationale. Là, il joue Belvest, je trouve que c'est quand même dur. Je comprends pas trop le pick de Belvest, j'avoue. C'est le seul pick que je suis pas trop pour. Je crois que c'est joué, en plus, c'était open, et hier, il avait vraiment été fort. En plus, on sait que Goumaï aussi, c'est un joueur qui aime très souvent ne pas jouer Klings. Il joue à mon grand dame, hein. Parce que là, imaginons Blaber, il joue... imaginons la Blaber, il joue Sejuani. Il y a vraiment un monde, croyez-moi, dans lequel... Gouma ne prend pas Cleanse et il joue Ghost. Et je comprends que t'as envie de jouer Ghost un peu avec une Xayah et tout, mais pour moi c'est toujours Cleanse, c'est trop fort. Donc la Cleanse, je trouve qu'elle est vraiment trop forte contre un Xayah Rakan Sage. Pour moi, Rakan Sage égale Cleanse parce que c'est trop facile pour un Rakan de... Même un Rakan boosted. Hein. Là, c'est pas... En face de lui, c'est pas Missing. Missing, je trouve qu'il fait vraiment des worlds incroyables. Il a raté une game, il est trop fort. Faut lui casser les poignets s'il ne prend pas Cleanse. Bah, en vrai, no troll. Je suis curieux parce que c'est Cloud9. Je pense quand même que Killian va gagner, hein, j'espère. Je pense que ça devrait aller. La draft de T1 est vraiment bonne, par contre. En vrai, j'ai vraiment bien aimé la draft. Autant la draft T1, j'ai chié sur la première draft. Autant cette draft-là me paraît très bien. À part le Bard, je suis pas fan. Faudrait voir qu'est-ce que j'aurais joué à la place de Bard. Moi, je suis pas un fan de Bard. Je trouve que Berry l'a gagné avec Bard, mais il avait mal joué. Je trouve que c'est dur de rentabiliser un Bard. Avec quel ulti il va pouvoir mettre dans cette game? Il peut pas cancel une Shockwave, c'est impossible. Il peut cancel un E-In de Jax s'il est boosted, mais sinon c'est impossible. Il peut pas cancel grand chose, je trouve. Je trouve que son R ne peut pas empêcher l'engage de Cloud9. Par contre, son R peut temporiser et surtout son R peut aller catcher une Orianna. Je pense que Orianna peut se faire catch par le R de... Parce que pour moi, le plan, là, si j'étais T1, c'est je ferais flasher MNS, comme là il a fait tout à l'heure, et je viens lui mettre en cataclysme, et bah il est dans la merde. Hein. Et s'il a ni flash, bah sur un cataclysme il meurt à 100%, et l'ulti de Bard est jouable sur la arena, c'est la question Z, je pense. On va voir. Ils peuvent catch, je pense. Pour l'instant, Fudge fait une assez bonne top lane, hein, vraiment. Et encore une fois, je suis pas son fan. Je suis pas dans sa team. L'Equalizer, il est magnifique. Mais gros, c'est trop. C'est trop. Il leur a cassé la gueule. Et on temporise. C'est 8 secondes seulement. L'ulti de la part de Jax, c'est pas énorme. Attention, le décalage de la part de Sven. On y va. Il dashine. Alors qu'il n'y a pas grand monde. Il y a Kara qui va passer à travers le mur. Mais on est un peu loin. Le stun de la part de Kara qui va quand même connecter sur le mur. Oh, ok, ça connecte sur le cataclysme. Ça, c'est pas mal par contre. C'est vrai que j'ai pas vu ça. Mais ça connecte sur le cataclysme. Donc il peut peut-être faire des. Il y a quand même des combos à faire avec Jarvan qui sont vraiment pas mal. Et le flash in. Et emballé, c'est pesé. Retour. À la case départ, l'Amérique qui se rapproche un peu du vol de retour. J'espère qu'en tout cas, on n'a pas réservé une semaine de Airbnb parce qu'il y a un monde dans lequel Cloud9 repart très vite aux States. On l'espère fort. Je croyais que Kaya avait raté son stun, mais comme il y avait cataclysme de la part de... Un peu comme un Gnar, quoi. Hein? Il mourrait pas, là, si?
Il mourrait pas là avec sa Xerassi. Ah, attends, je suis pas un expert, hein. Le couteau, on l'aurait tué, vous pensez? Je pense qu'il mourrait pas, non? C'était le premier couteau ou le deuxième, les gars? C'est le premier ou c'est le deuxième? Deuxième coup de tour? Premier? Si c'est le deuxième, il peut peut-être mourir. Si c'est le premier, je pense qu'il meurt jamais, hein. On va voir. Ah merde, dommage, je crois que c'était replay. Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième. Parce que le premier, je pense qu'il meurt pas. Deuxième, j'avoue, c'est tendu. C'est tight. Après, c'est intéressant. Tellement clean, hein. Tellement clean. Blabla avec son vieux de merde, il peut rien faire, le pot. Un truc par contre que je trouve que moi j'ai jamais fait et que. Parce que moi je suis pas laner, mais en laner j'aimerais bien savoir exactement quel HP le creep survit. Moi souvent quand. Enfin, tu vois, notamment sur une catapulte. Je sais jamais si la tour, la catapulte elle meurt tout juste ou elle meurt pas tout juste. Et inversement, je trouve que tu vois, ce serait intéressant de voir. C'est assez facile de savoir les dégâts que la tour te fait exactement en premier, deuxième coup de tour. Si t'es un Karadé, parce que t'as jamais d'armor. Donc t'as toujours le même à peu près armor. Ce serait intéressant en vrai. Il était vraiment low, je pense, il meurt. En vrai, il avait quand même 200 HP, je crois. Hein. Je crois qu'il était pas si low que ça. Après, je sais pas si c'était premier deuxième coup de tour, faudrait revoir. Bah, au pire, on s'en fout. Hein. Il a ulti, c'est pas très très grave. Mais juste que l'ulti de là, c'est un peu long. C'est le deuxième? Ah, c'est le deuxième en vrai, je comprends 100% par contre. Et le premier, je crois que c'était le premier, j'étais en mode, bah je sais pas si le premier meurt. Là on voit Berserker à droite et Gouma à gauche. Honnêtement, Berserker n'a pas à rougir. D'ailleurs, bah d'ailleurs c'est marrant parce que Berserker c'était le T1 Academy. Hein. Donc en gros c'était le remplaçant de Gouma. Donc là c'est un peu, c'est drôle parce que c'est deux T1 Materials quoi. C'est deux joueurs T1. En vrai, c'est drôle. Il s'est fait recruter, il a dû prendre de l'argent. On comprend, hein, le but aussi, c'est de gagner de l'oseille. Et malheureusement, bah, t'es remplaçant de Gouma Yossi. Gouma Yossi est pas prêt forcément de partir. Donc là, maintenant, c'est plus sûr. Parce que là, je pense qu'ils ont dit que c'est la dernière année, apparemment. Côté avait l'air de dire... Je sais pas s'il l'avait dit dans le cast, mais il avait l'air de dire que... Il avait dit que trois rôles, potentiellement, étaient en fin de contrat. C'est-à-dire qu'il se barre, mais en fin de contrat, c'était pas forcément... Ah, tu vois, il y a un monde dans lequel Keria, il s'est recruté par LNG, par exemple, tu vois. Et en vrai, je pense que c'est possible, en plus. Hein. Donc, est-ce que si t'es Keria et que la team disband, est-ce que t'as pas envie d'aller chez LNG côté Keria? Je pense que c'est dur de penser que Keria est nul. Hein. Keria est vraiment super fort en AD carry, donc... je sais pas s'il y a vraiment... Est-ce que t'as envie vraiment d'aller chez Genji? Est-ce que t'as pas envie d'aller en Chine? Parce que j'ai l'impression quand même que la LPL, c'est vraiment la meilleure région maintenant. Je suis team LCK les gars, mais je pense que la LPL c'est plus fort que la LCK. En tout cas, le niveau moyen en LPL est largement plus fort. Ah, il fout de ma gueule lui par contre ou quoi? Vous entendez les gars ou pas là? Y'a un mec avec une perceuse là. Il se fout de ma gueule ou? Ok, le stun. Oui. Abuse frère. Abuse, je vais l'enculer. Ils font jamais de travaux sauf quand il y a les MSI et quand il y a les Worlds. Les derniers travaux qu'ils avaient c'était pendant les MSI. Ils se foutent de ma gueule. On n'entend pas, ok. Moi j'entends rien, ok ok. Bon, si vous entendez pas, ça va. Oula. Oh le move. Heureusement il n'y avait pas Blabber. Hein. Heureusement il n'y avait pas Blabber. Hein, parce que nous on a l'info, mais lui non. Bon, trade breaker sur Blabber. On joue bon, évidemment Godrinker Shojin pour le frérot Honor. On n'a pas le choix. J'avoue, en plus on est dimanche. Abuse. Non, voilà qui ont. Donc là, Kira, c'est vraiment fort. Faut utiliser justement les barres à ces moments-là parce que c'est super fort pour surprendre. Sven qui flash out. Il a pas son Z. Il a réussi à mourir avec. Il a réussi à mourir comme ça avec Rakan. Je crois qu'il a flash. Il a pas E, il a pas Z vers un pote. Il a Z avant. Ah, mais il a Z avant. Pourquoi tu Z pour te déplacer quoi? Il a Z de l'Everfrost? Il a Z puis flash et ça? Ok. Bon, en tout cas, Sven, peut-être qu'il y avait mieux à faire. Il y a peut-être mieux à faire. Hein. Après, voilà, moi, Sven et Fudge, je sais pas, Mathieu. Ah, bah tiens. Bizarre. C'est marrant, les joueurs que souvent je diffame, souvent ça se passe mal.
Le seul jeu... Attends, il y a un joueur que j'ai diffamé APA, il a été trop nul. J'ai diffamé Sven et Fudge, en vrai, ils ont pas été trop nuls, ça va. J'ai diffamé un peu Illisang, il a pas été trop naze, il a été pas terrible, hein, mais bon. L'année dernière, c'était pire. Ok, oh là 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 là, il se fait éteindre le frérot. Oh, oh la chatte, bon, il est mort quand même, hein. Y a rien à faire. Il y a Serf Flag. C'est clean, hein. C'est très clean. Est-ce que Vudge peut faire mieux? Probablement. Est-ce qu'il peut survivre? Je suis pas sûr. Ok, bien joué ça, bien joué ça, bien joué Carrière, bien joué Faker, faut respecter, hein. Forcément ils vont essayer de jouer à l'autre bout de la map, le but là c'est d'essayer d'accélérer la game en bot side, y a pas de dragon donc en vrai ils peuvent pas récupérer grand chose, ils ont déjà récupéré 2 Drake, la game elle est 100% gagnée là. Hein. Je pense que c'est déjà fini en vrai, il y a que 5 à... enfin il y a 5 à 5 déjà, c'est énorme, mais en plus de ça je pense que la game elle est morte parce que je vois pas comment là les T1 vont perdre cette game. Là ils montrent un vrai niveau de jeu, bon après c'est les Cloud9, hein. On va pas... C'est quand même une équipe que je trouve un peu naze. Ils sont pas mauvais, hein. Ils sont pas mauvais. Ils ont montré des belles choses. Mais là, on voit Blaber sur sa belle veste. Bah, le pic un peu belle veste qui était pas, qui me semblait pas ouf. Bah, c'est dur, hein. Il a du mal à jouer la game. Et en vrai, bah, là, c'est juste un GG généreux, hein. Berserker, pour l'instant, il fait une bonne game. Mais ça servira à rien. Là, sa game, elle est déjà finie, je pense. Encore une Kemiko, ouais. Encore une Kemiko. Pour moi, c'est vraiment la seule soul que je maîtrise pas parce que. Bah, elle a été rework. Après, normal, elle était un peu. C'est vraiment la... Je comprends pas, vraiment. Je pense que de toutes les décisions qu'a pris Riot, la Soul Kemiko qui faisait Rez, je pense que ça devait être la pire. Hein. Et pourtant, ils ont même pris des décisions de merde. Hein. Je pense que c'est vraiment la pire idée. Je sais pas comment... À la limite, au moins, on reste, on n'a pas nos sorts. Un peu comme un Sion, tu vois. Pourquoi pas? Mais on reste avec tous nos spells et même les ultis. Non, c'est abusé. C'est abusé. Kreska? Ouais, non, mais c'est Kamel. Hein. C'est Kameto, il a raid avec 40 000 viewers, frère. Merci à vous d'être restés derrière, les gars, c'est gentil. Yumi aussi, ouais, Yumi. Après, Yumi, je peux comprendre, tu vois, le but c'est d'attirer des joueurs. J'ai vu, il y a encore plein de nouveaux joueurs, hein, qui arrivent sur le jeu, plein de joueurs qui commencent le jeu. Donc, n'hésitez pas à être bienveillant avec les gens qui arrivent. Moi, je fais les SOS 4 où je rigole un peu des débutants, mais c'est bienveillant, hein, le jeu. Un mec qui n'est pas fort à LoL, c'est pas grave. Hein. Au mieux, être pas fort à LoL et être fort dans la vraie vie. Pour être fort à LoL, faut souvent sacrifier 2 ans, 3 ans de ta vie. Hein. C'est quand même un jeu assez difficile. Ok, Honor qui va essayer de mettre de la pression sur ce Nashor. On est extrêmement bien. Il y a un flank de Faker. En plus, on va pouvoir récupérer le Tiriana. On va tout mettre sur... Il prend énormément de pression. Bien joué, le combo qui est très bien placé. Honor qui fait une bonne game. Même si, bon, c'est les Clanins dans le route sur Blaber, sa mère. Oh, cet Equalizer. Voilà, oh, la dinguerie, sa mère. Oh, pardon. Oh là là, ce qu'il vient de faire. What the fuck? J'ai jamais vu ça. Je n'ai 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 jamais vu ça. En tout cas, en problème, j'ai jamais vu ça. Oh bordel. Ouah, j'enlève mon casque carrément. Ça fait... Combien de temps que je regarde des games de LoL? 10 ans que je commande du LoL. Ça fait 10 ans que je commente les Worlds. J'ai jamais vu ça. Oh, ce qu'il vient de leur mettre! Oh, ce qu'il vient de leur mettre! L'Equalizer, il est magnifique! L'Equalizer de Carrière, enfin de Zeus, pardon, il est vraiment magnifique! Heureusement, l'autre, il a Rakan, Zeus, donc. Regardez ce qu'il vient de faire Carrière! Non, c'est une folie! Oh! Un Q-spell flashé, frérot! T'as peur! Tout à l'heure, justement, je lui avais reproché de ne pas avoir fait un Q-spell flashé. Là, il a fait un Q-spell flashé redirect. Oh là 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 là, il leur a pissé dans le cerveau. Oh là 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 là, c'est vraiment un putain d'alpha. Voilà pourquoi je dis, les gars, que là, Carrière, il peut réfléchir à partir chez LNG. Parce que je pense qu'LNG. En vrai, LNG, il y a un potentiel de baiser. Hein. LNG, je pense qu'ils peuvent battre les JDG de façon très stable. Parce qu'ils ont le. Je pense vraiment que Scout est trop trop fort. Mais le support, en vrai, malheureusement, je pense que Missing est vraiment trop trop fort. Missing est vraiment trop trop fort. Et il faut Carrière pour là. Il faut Carrière pour arrêter Missing. Honor, en vrai, Kanavi est plus fort qu'Honor. Ruler est plus fort que Goumai aussi. C'était mon avis avant les Worlds. Hein. Et c'est toujours mon avis après ce qu'on a vu là, malheureusement. Faker est moins fort que Scout. Donc en vrai, il y a 3 lanes où ils sont moins forts. Au top, en vrai, Zika, Zeus, je pense que les deux, c'est des cracks. Mais peut-être même que Zeus est plus fort encore. Mais je pense en tout cas, ça se vaut de fou. Mais Zika, il est tout jeune, il a 17 ans, je crois, donc c'est un god matériel.
Je pense que Zeus est plus fort, mais Jessica va continuer à progresser. Mais donc en gros, pour moi, il y a deux lanes où il y a deux joueurs plus forts et trois lanes où il y a deux joueurs moins forts. Est-ce qu'on peut pas imaginer une fusion T1 et LNG? Est-ce que en gros Zeus et Kera peuvent pas aller chez LNG et on et la fanbase T1 suit LNG, tu vois ce que je veux dire? Frérot, si Kera, s'il recrute Kera Zeus, je suis pour LNG corps et âme. Corps et âme. Il faut quelqu'un pour arrêter JDG. J'aimerais trop, moi. Si T1 split, je suis pour T1 fan. Hein, mais si T1 split et que Zeus, Faker arrête et que Zeus et Kera vont chez LNG, je suis trop heureux. Je serais trop heureux en vrai. Parce qu'on aurait du coup le plaisir de suivre un petit T1 via LNG et on aurait Scout qui est trop fort. Et Faker, il va arrêter de jouer là. C'est probablement cette dernière année. Faker, je le respecte à vie et je le soutiendrai jusqu'à ce qu'il quitte la scène. Et et même s'il est gaze, hein, je le défendrai corps et âme. Je trouve pas qu'il est gaze, hein, je trouve qu'il est bon, mais pour moi il est top 4, top 5. Quoi. Et le problème c'est que les mecs top 1, top, enfin, le top 3 est vraiment gothier. Il y a vraiment des mecs vraiment forts de fou. Le niveau de scout, c'est simple, c'est du jamais vu dans LoL. Hein. Je pense qu'on n'a jamais vu un midliner aussi fort là, il est trop trop fort. Il rate aucune game. Je n'ai jamais vu une game que scout a raté pour l'instant. Il a fait des petites erreurs, mais il a carry la game quand même. À chaque fois dans la game, c'est un des meilleurs joueurs de la game. Et il peut perdre. Même dans la finale LPL, je me souviens pas d'une game où il avait mal joué. Rate des games, frère. Ouais, Blaber, il peut rien faire en vrai. À la décharge de Blaber, je pense que son pick est nul. Hein. Enfin, pas nul, mais c'est dur à jouer de fou. C'est... Ouais, bon, la game est déjà finie. Hein. Ils se font 13-0. Oh, bordel. Scout chez T1, sinon... Ouais, Scout chez T1, sinon, effectivement. C'est vrai qu'on peut imaginer l'inverse. Hein. On peut imaginer... Après, je crois que les équipes LPL ont plus de budget. En vrai, T1, c'est quand même la seule équipe LCK. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'argent. C'est vrai que Scout à la place de Faker, ce serait big. Hein. Et peut-être, j'irai... Enfin... Peut-être Honor réfléchir, quoi. Honor, j'avoue, moi, je suis pas un fan de Honor. Après, il fait une très bonne game ici. Hein. Et je demande qu'à changer d'avis. Hein. Je suis fan de T1, les gars. Je les défends alors que je ne pense pas que c'est les favoris du tout. Pour moi, ils sont top. J'allais dire, moi, pour moi, ils sont top 4 de la compétition. Avant le début de la compétition, maintenant, je pense qu'ils sont même peut-être top 5. Hein. Et ça, c'est vraiment terrifiant. Je sais pas s'ils gagnent contre BLG. Ok, c'est bien. Hein. Kera, il fait vraiment une excellente game de Bard. Il a fait un move qui était pas ouf. Le reste est incroyable, le movebot est insane. Après, la game était déjà gagnée, hein, on va pas se mentir. Ils se font. Mourez pas, les refs, mourez pas. Mettez les 13-0, 15-0, vas-y. Non, meurs pas, s'il te plaît, frère. Bien joué, 15-0, allez, ça dégage. Cloud9. Ouais, j'entends personne, c'est bien ce qu'il me semblait. Allez, ça dégage. Hein. Allez, casse-toi. Bon, le score est pas traduit, pas mal la game, parce que je pense qu'en vrai. La belle veste, elle est dure à jouer. Ils ont quand même fait une bonne draft. En vrai, je trouve les Cloud9. Les T1 ont bien répondu à la draft. Enfin, une bonne draft de T1. Frère. Enfin, une bonne draft de T1. En vrai, contre Janice, c'est une draft fine. C'est pas la draft qui les fait perdre. C'est player gap. Mais bon, c'est presque pire. Hein. Je préfère qu'on se fasse out draft et qu'on se fasse pisser dessus qu'une player gap. Parce qu'une player gap, c'est compliqué à corriger. Non, c'était vraiment une belle game. C'était une belle game de T1. En vrai, c'était une belle game de T1. Je pense que Blaber, son pick. Moi, j'étais pas fan du pick de belle veste. Et ça s'est mal passé. Bah, je suis pas fan du pick de Belvest. Je pense que c'est trop dur. Faut vraiment jouer très agressif pour faire marcher. Comme a dit Kamel, et il a bien raison. Il faut invade, il faut faire des trucs de fou. C'est bien quand t'es vraiment fort, quoi. Mais quand tu vas te faire éclater ta mère, c'est un mauvais bail. Bien joué en tout cas, bien joué à Fudge. Fudge qui s'est fait bien casser la gueule. Zeus qui a été très bon dans son match-up. Il a joué au Rumble Blind. Je pense qu'il y aura plein de Rumble Blind dans la compétition.